Ça va. Goedemiddag iedereen. Hartelijk welkom op de persconferentie hier op Anderlecht. Bienvenue à la conférence de presse cet après-midi à Anderlecht. J'ai pris Kemar Roof en Hendrik van Krombrugge pour vous. Deze twee heren staan voor jullie ter beschikking. Ze moeten wel om 2 uur terug op de club zijn voor een briefing. Dus hebben we een goed half uur, of een klein half uur misschien, om de vragen op hen af te vuren. Ik laat ze jullie stellen. Vraag maar aan de heren wat jullie willen. Hallo Hendrik, wat was de sfeer deze week na de ontgoocheling van de wedstrijd tegen Wasland Beveren? Dat was een speciale week met vele... Ja, kijk, na die wedstrijd ben je natuurlijk ontgoocheld, hè, omdat je toch hoopt op een positief resultaat. Maar desondanks probeer je als groep door zo snel mogelijk weer positief te denken en te focussen op de volgende wedstrijd. En dat was zeker deze week niet anders. En ik heb heel veel gretige jongens gezien. Bij de jongens die de wedstrijd gespeeld hebben, maar ook bij de jongens die de wedstrijd niet gespeeld hebben. Dus over het algemeen, ondanks alles, hangt er een goede sfeer in de groep. En iedereen is gewoon heel hongerig om een positief resultaat te halen. Hendrik, il y a eu un petit changement pour toi entre Eupen et Anderlecht, forcément. Surtout sur le fait qu'à Eupen, si tu faisais beaucoup d'arrêts et que tu prenais un but, on mettait en avant les arrêts. Ici, tu peux faire beaucoup d'arrêts, mais on va mettre en avant le but que tu as pris. Comment tu vis ça et au quotidien? J'ai pas changé grand-chose dans ma façon de travail ni mon approche sur... sur mes matchs. Les gens qui me connaissent savent que je suis très autocritique. Donc je suis très sévère pour moi-même. Ça n'a pas changé depuis. Et donc j'essaie toujours d'analyser chaque match objectivement, mais exigeant pour moi-même. Donc il n'y a pas grand-chose qui a changé à ce point-là. Hendrik, wat heeft de reactie van de fans met jullie gedaan? Heeft dat iets teweeg gebracht ook? Het was de eerste keer dat ze echt jouw floten op tegen. Ja, dat is iets waar je rekening mee houdt als de resultaten wat tegenzitten. Die reactie van de fans is te begrijpen. En als groep is dat inderdaad niet leuk. Maar de groep weet ook dat die kan die reactie plaatsen, omdat iedereen weet dat het gewoon niet... tot dusver qua resultaten niet goed genoeg is. Maar wij proberen die negatieve reactie om te zetten in positieve energie om de fans iets positiever te geven. Hendrik, een dubbele question. Tu parlais, tu analyses objectivement tes prestations. Comment tu les analyses depuis le début? Puisque quand même, il y a beaucoup de positifs qui est écrit sur toi, sur tes prestations. Et deuxième question, est-ce que de peine... On te chambre un peu qu'après 10 journées, enfin on va jouer la 10e journée, vous avez le même nombre de points qu'Anderlecht. Ouais, je vais d'abord répondre sur la 2e question. J'ai peu de contact avec les joueurs d'Eupen parce qu'il y a un noyau qui a complètement changé, donc je connais plus grand monde là-dedans. Bien sûr, il y a des gens avec qui je suis toujours en contact, mais on parle pas du... Si je parle avec ces gens-là, on parle rarement du foot, donc ça se discute pas. Et pour répondre sur la première question, je prends toujours le positif avec pour la semaine d'après, parce que ça donne confiance. Et les choses moins bonnes qui se passent durant un match, ben, je les analyse et j'essaie de les améliorer durant la semaine pour continuer à progresser. Pour en revenir aux supporters, le fait que les critiques ou les sifflets soient arrivés si tard de ce que vous connaissez d'Anderlecht, ça vous a étonné les premières semaines ou pas? Oui et non. Je pense que les supporters savent que depuis cette saison-ci, il y a eu beaucoup de changements. Le club a commencé à parcourir un nouveau chemin et les supporters sont fans de ce chemin-là et ils ont donné plus de crédit à tout le monde. Mais tout comme nous, comme groupe, qu'on vit des résultats positifs, les fans vit aussi des résultats positifs. Donc au bout d'un moment, s'il y a trop peu de résultats positifs, les gens vont montrer leur déception, ce qui est normal. Volgende. Hendrik, waar wijd je dat eigenlijk aan? Want als je op papier bekijkt, die ploeg dat tegen Wasland Beveren startte, moet normaal gezien altijd Wasland Beveren kunnen kloppen.
Ja, oké, maar in voetbal weet je dat altijd alles kan gebeuren. Als elke wedstrijd van voor de start al het resultaat geweten is, of als altijd de sterkste ploeg op papier wint, dan denk ik dat er heel weinig spanning zou zijn in competities. En dat is in de Belgische competities niet anders. Maar ik denk dat als we de wedstrijd analyseren van Beveren, dat het gewoon duidelijk is dat het geluk ook niet aan onze zijde was. Een bal op de lat, een bal die net overgaat. En als je in de positie zit waar wij ons nu in bevinden, dan ontbreekt dat tikkeltje geluk. En oké, we creëren kansen, maar die moeten er nu ook ingaan. Ik denk dat dat een beetje het grootste pijnpunt is op dit moment, is dat we de kansen die we creëren, dat we ze er niet inschieten. En ik denk er genoeg wedstrijden zijn waar we 0-0 spelen en waar we eigenlijk de wedstrijd altijd moeten winnen omdat we niet scherp genoeg waren. Kemar, how is it difficult to come in the team, a new country, without a real pre-season for you? Yeah, it's difficult just because I need to get my fitness. I'm trying to catch up to everybody else. Been out for 8-9 weeks, but I've been able to play near enough 290 minutes within 7 days, so that's a good start. And it's, for me, I'm just enjoying the moment. I'm excited to put on the shirt to show people what I can do and get results and help get results for the team. Because when the result wasn't good without you, everybody said yes, but we have Kemar Roof, he will come, he will come. It was a lot of pressure for you. So it always was difficult to... No, it's not difficult at all, because you have to be realistic as well. I'm not Superman. Football is not a one-man sport. You need the 11 players, you need the subs, you need the training, the players that aren't even in the squad, to help you prepare for the game. So it's not a one-man sport at all. So with or without me, results will come. The performances have been good. We just haven't had the little bit of luck just to get a goal off from anywhere, from an own goal, from someone's knee, from someone's shoulder. As soon as we get that, I think we'll build momentum and things will be up from there. Est-ce que vous pensez qu'il faut un nouvel entraîneur maintenant, que c'est le moment, qu'il faut absolument changer quelque chose sur ce plan-là? Non, je ne pense pas. Je pense que c'est surtout nécessaire de changer quelque chose sur le terrain, c'est-à-dire d'être plus performant sur les moments clés du match, que ce soit défensif, que ce soit offensif. Je pense défensivement, on n'est pas... On n'est pas mal du tout, on gère bien les matchs. L'autre côté, je pense offensivement, il y a quand même pas mal de choses à améliorer, mais on le sait. Et c'est un tâche collectif. Et je pense à partir du moment, comme que Marine a dit, qu'on a ce momentum, qu'on aura un peu de bonheur avec nous, un peu de chance avec nous, et que ce premier but, par exemple, va tomber, je pense que les choses vont vite changer dans notre faveur. Non, pas du tout. Hendrik, tu disais être plus performant sur le terrain. Est-ce que ça peut ou est-ce que ça doit passer par mettre des joueurs avec un peu plus d'expérience sur le terrain dans cette situation quand même difficile pour l'instant? Pas nécessairement. Je pense que le plus important, c'est de la qualité. Il y a de la qualité. C'est sûr que l'expérience, ça peut être un atout. Mais chaque club ou chaque jeune joueur dans sa carrière, il y a un moment où il doit apprendre vite et gagner cette expérience. Et il y a plein de jeunes qui sont titularisés à ce moment-ci ou qui reçoivent leur chance et ils vont apprendre de ces moments, ils vont gagner de l'expérience. Dans le foot, il faut apprendre vite. Et je pense que tous les jeunes sont en train de faire cela. Et encore une fois, l'expérience, ça peut être un atout, mais c'est pas le principal. Jurgen. Hendrik, hoe ervaren jullie Vincent Kompany nu op dit moment? Is hij aangeslagen? Is hij anders dan in het begin van het seizoen? Of is het nog altijd dezelfde Kompany? Ja, sinds dat ik er ben, ik heb natuurlijk de voorbereiding niet meegedaan, maar zie ik geen enkele verandering in Vincent zijn comportement. Dus ik denk dat mensen die Vincent kennen, is dat het iemand is die niet snel opgeeft. Het is een winner, het is een vechter en een werker. En dat is
op dit moment absoluut niet anders dan de eerste weken of sinds dat ik ben aangekomen. Dus daar zie ik absoluut geen enkele verandering. En als er een verandering is, dan denk ik dat dat alleen kan zijn dat hij nog harder gaat werken en nog meer zal doen om te winnen. Kemar, 2018 was very good for you, the year. Mm-hmm. Not the football year, the year. And 2019 is more difficult for you. You scored two times against Derby. So is it a problem of confidence in you, or it was only the injury who makes problems? No, because I don't look at it like that. And plus, do you know how many games I played in that period? Yeah, I don't know. I'm asking. I don't know how many games I played in this period you're talking about. So I don't think I've played that many games because I've been in and out of injuries. So until I get a good run of games, then maybe judge them. But I haven't really played that much. How far are you from your top fitness now? And if you, before, in front of the goal, do you have already the rhythm, the feeling, the good touch? Well, I've been out for 8-9 weeks, and so teams usually do a pre-season of 6 weeks, and I've been back for 2 weeks. So I've just got to really do the maths and be realistic as well. More games I play, the better I'll get with my match fitness, and that will help my performances. Kemar, you played two games last week. What's your first impression of the Belgium Championship and the Cup? And were you surprised by the level or the players? No, I wasn't surprised because I go into every game with an open mind. I don't expect anything. As long as I always give 100%, that's my main concern. 100%, work hard and help the team get a result. And that's what I'm trying to do. Hendrik, met welk gevoel trekken jullie nu naar Charleroi? Een gevoel van het is opnieuw van moeten, of hoe zit dat? Ja, het is elke week van moeten. Dat je nu in een positieve of een negatieve situatie zit. Als voetbalploeg wil je gewoon elke wedstrijd winnen en die moet je ook winnen. Dus daar op dat punt verandert er niks. Natuurlijk is het wel zo dat er bij deze wedstrijden iets meer druk komt kijken dan als je in een iets op wat positievere situatie zit. Maar om nu te zeggen, het is echt van moeten, het is elke week van moeten. Je moet een wedstrijd winnen. En dat is hetgeen wat we gaan proberen vrijdag op Charleroi. Heb je soms het gevoel, wat moet ik nog gaan zeggen na zo'n 6 op 27? Nou, opnieuw een slecht resultaat. Heb je soms het gevoel, wat moet ik hier nog over zeggen? Ik denk dat het soms beter is om er niets over te zeggen. Dat je gewoon hard werkt en probeert oplossingen te zoeken voor daar waar het fout loopt. En ik denk dat dat de enigste oplossing is. Ik denk dat met woorden dat je niet veel gaat oplossen in onze situatie. Dus ik denk dat het vooral is een kwestie van op het veld te tonen. Dat nu op het trainingsveld is en op het wedstrijdveld. Dat daar de oplossingen liggen. En het is aan ons groep, club, om die oplossingen daar ook te vinden. En dan dat om te zetten in positief resultaat. Que répondez-vous à ceux qui disent que le système mis en place par Vincent Kompany a atteint ses limites maintenant et qu'il faut chercher vers une autre voie, une autre solution? Ce que les gens disent sur le système Vincent Kompany, ça ne m'intéresse pas. Je pense que le plus important, c'est que ce que nous, les joueurs, ce qu'on en pense et comment on fonctionne dans ce système-là. Les résultats ne sont pas positifs, mais je pense que si on analyse les matchs, on a montré énormément des bonnes choses. Comme chaque système, on a des éléments positifs dans le système, on a des lacunes. Et je pense que c'est à nous d'exploiter un maximum les points forts de notre système et de minimiser un maximum les lacunes. Je pense que c'est ça la clé du truc. Et ce que les gens pensent ou disent ou écrivent sur le système Kompany, ça me regarde. En cas de défaite, ce serait une véritable crise. Ben, je laisse à vous d'écrire ou d'en dire ce que vous pensez. Non, mais vous, si vous perdez le prochain match, on serait vraiment dans une situation que le club n'a quasiment jamais connue, en fait. Ben, écoutez, je ne pars pas du principe qu'on va perdre le match, donc je ne suis pas prêt à penser négatif. Donc, vragen, vooraan hier. Henrik, vu que tu penses positivement, pour toi les play-offs 1, c'est toujours une vraie possibilité. C'est pas juste la coupe
pour espérer d'être européen? Écoute, on est toujours dans deux compétitions, comme vous le dites, la Coupe et le championnat belge. Donc la Coupe, on a tout à jouer. Et là, aussi en championnat, on a eu un mauvais départ, mais ça reste, c'est pas un sprint, c'est plutôt un marathon. Donc il reste encore assez de matchs pour rectifier notre mauvais départ. Donc à nous de prendre un maximum de points et d'essayer d'atteindre le play-off 1. Kimar, you're usually in front against two big defenders. Do you feel there is enough support from the midfield, from the midfielders who are coming in your back? Yeah. And the way we play with two number 10s anyway, so they're close by. But it's also getting an understanding of how everyone plays. Like I said, I've already trained 2 weeks, played 2 games, and the boys still don't 100% know my game, and vice versa, I don't know theirs yet. It takes a few games to understand each other. But I think we've showed glimpses of very good attacking ability. Just need to do more of it, and obviously put the ball in the back of the net as well. Any more questions? We have time for 2 more questions if you want to. On a encore le temps pour 2 autres questions. Hendrik, un mot, vous voulez dire en néerlandais, mais en français, sur Charleroi, ce match, comment vous voyez cette équipe et ses atouts? Écoutez, un déplacement à Charleroi, c'est jamais évident, que ce soit pour Anderlecht ou les autres clubs. C'est toujours un déplacement difficile. Je pense que c'est une bonne équipe. C'est une équipe, comme on a vu les années précédentes de Charleroi, c'est une équipe qui est bien organisée, qui a de la force physique et qui a quelques joueurs créatifs devant. Donc c'est un effectif assez complet, c'est un jeu direct. Donc on a fait l'analyse de Charleroi, donc on sait à quoi s'attendre. Et on sait que ça va être un match difficile, mais on est prêt. Ok, laatste vraag, achteraan. Hendrik, wil dat ook toch even in het Nederlands vragen. Heb je het gevoel dat er een herschikking nodig is in de trainerstaf? Of heb je het gevoel dat het wat? Zo? Een herschikking nodig is in de trainerstaf? Of heb je het gevoel dat het wel goed zo? Nee, ik zie niet in waarom er een herschikking zou moeten zijn in de trainerstaf. Alles is goed zoals het nu loopt volgens jou? Ja, de resultaten lopen niet goed. Dat weet je zelf ook. Maar de manier van werken, daar kan ik mij persoonlijk in vinden. En ik denk ook dat de rest van de jongens er zo over denkt. Iedereen doet zijn uiterste best. Van hoofdtrainer tot keepertrainer, physical trainer, kinesist. Iedereen doet gewoon uiterste zijn best. En ik zie ook niet direct in waarom we daar een herschikking zouden moeten doen. Oké. Okay. Dank u vriendelijk voor jullie aanwezigheid hier. We zien elkaar komende vrijdag in Charleroi. Merci d'être venu et à demain à Charleroi. Merci bien.